Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur c'est un tuto sur un montage de tarpe. Je vais vous montrer comment vous fabriquez un abri totalement fermé avec un sol, voilà, pour vous protéger de l'humidité vraiment de tous les côtés, simplement avec un tarpe. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, il faut savoir que pour faire ce montage, il faut un tarpe de forme carrée. Voilà, avec un tarpe rectangulaire, c'est pas possible. Donc là, j'ai pris un 3x3, vous pouvez prendre un 4x4. Voilà, les 3 mètres par 3, c'est des choses assez classiques qu'on arrive à trouver. Et je vais vous montrer un petit peu comment réaliser ce montage étape par étape. Moi, je conseille tout d'abord de s'entraîner à faire ces montages de tarpes. Quand une météo un peu agitée vous tombe dessus et que vous voulez monter votre abri avec précipitation, c'est bien de vous être entraîné au préalable. Donc je m'étais fait une sortie où j'avais emmené mon tarpe. Et puis je m'étais entraîné voilà, pendant un après-midi à faire plein de montages différents. Premier point important, ça va être de choisir le terrain, qu'il soit plat, bien entendu, et puis de tenir compte du sens du vent pour que l'abri soit bien entendu avec l'ouverture d'eau au vent. Ensuite, on s'assure qu'il n'y ait pas de pierres ni de branches qui pourraient venir abîmer le tarp, ni être désagréable quand on va vouloir s'allonger. Un point important, il faut que le tarp soit équipé de points d'ancrage, au coin bien entendu, mais également au milieu de chaque côté. Je commence par déposer mon tarp à plat au sol. Je plante un premier piquet dans le coin que j'ai indiqué par la lettre A sur mon schéma. Je plante un second piquet dans le coin que j'ai indiqué cette fois-ci par la lettre B, en veillant à bien tendre le tarp. Je place ensuite un troisième piquet, je l'ai indiqué par la lettre C sur mon schéma, au milieu de ce côté. Je prends bien le soin de tendre le tarp par rapport aux deux précédents points d'ancrage que j'ai plantés. Le grand triangle qui vient d'être formé, le triangle ABC sur mon schéma, ce sera le sol de l'abri. À présent, je vais avoir besoin d'un bâton. Alors pour ça, je prends soit une branche que j'ai découpée, soit un bâton de randonnée. Alors la longueur de ce bâton doit représenter la moitié de la longueur d'un côté. Pour faire simple, ici mon tarp mesure 3 mètres, donc j'ai besoin d'un bâton de 1,50 m. Je vais aller chercher le point que j'ai indiqué par la lettre D sur mon schéma. Et comme ceci, je vais venir le placer en haut du bâton, en laissant le bas du bâton sur le point B. À présent, à l'aide d'une corde, je vais venir tendre le tout. On voit que mon abri commence à prendre forme. Il va me rester à présent à venir rabattre les deux côtés, le plus petit dans un premier temps. Je plante un piquet. Puis le grand côté. Voilà, on obtient un abri, alors qui est d'une petite taille, mais qui sera suffisant pour une personne. Alors, il a l'avantage, bien sûr, d'avoir un sol et d'être fermé sur tous les côtés. On peut s'allonger dedans sans problème. Même moi qui suis à grand, je rentre sans aucun souci. Autre point important, c'est qu'on obtient un abri qui est suffisamment haut pour se tenir assis sans problème.
Enfin, en ajustant le bâton et les piquets, il est possible de vraiment bien fermer l'abri, comme ici. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Je vous dis au revoir et à très bientôt.